Journal de bord, entrée 665. Il est 6h, 6 minutes et 32, 33, 30. Enfin bref, ça va faire le cinquième Père Noël que j'aperçois en ce mois de juillet 2016. De plus en plus tôt et de plus en plus nombreux viennent semer le doute au sein de la population. Heureusement, je suis là. Rodolphe, Père Noël, je sais que tu te caches quelque part, mais je vais finir par te trouver. Oh, et donc là, c'est la dernière entrée. La qualité est pas là. Mais j'ai pas forcément le temps. Hein. C'est quelques minutes et bim, ils disparaissent. Pas le temps d'aller chercher le matos. C'est qu'il les a bien entraînés. Ouais. C'est un peu comme tous ces... Parlez-nous de vous, monsieur... Noël. Rodolphe Noël. Avec AU. Oui, parlez-nous plutôt de votre... Non. Alors, il vient de mon père, Noël, lui aussi. Bon, anecdote. Ma mère s'appelait Noël, avec deux L E à la fin. Elle a beaucoup hésité entre Noël, Noël, parce que les gens ont souvent tendance à confondre Noël, Noël, Noël. Et par souci de clarté, elle a choisi Noël de mon père. Noël. Non, non. Noël! Au moins, on ne prendrait plus un Noël pour un Noël. Et café? Plutôt chocolat chaud. Tenez. Mais... Quand avez-vous commencé votre track? Alors déjà, merci de dire votre. Il est vrai que j'ai souvent été seul dans cette quête. On m'a souvent regardé de travers, comme un original, un hipster. Et puis on m'a insulté. Gamin, enfant, grandi, on m'a diagnostiqué un syndrome de Peter Pan. Alors voilà, je suis seul. Sans femme, sans chien. Merci. Mais j'ai toujours l'espoir d'un jour apporter la vérité au monde. Que le Père Noël existe? Mais absolument pas! Qui se fait passer pour un mythe? Espèce de gourou aux millions d'adorateurs enfantins! Mais vous avez des preuves? Évidemment! Vous savez, déjà petit, les soirs de Noël avec un tréma, je laissais Rodolphe, mon fidèle ami, en bas du sapin. Mais déjà là, j'ai compris qu'on ne pouvait faire confiance à personne. C'est juste là. C'est bon, il est pas venu. Ça, c'est tonnerre. Là, vous avez vu? C'est pas le pire. Effectivement, c'est pas Jojo. Mais c'est pas maintenant! Là! Vous avez vu? Bon bah voilà, vous avez tout vu. Je sais que ça laisse certains sceptiques, mais je suis vraiment proche de la vérité. Je vais réussir à montrer les véritables intentions de ce Père Noël avec un tréma. Yeah, c'est bien que des journalistes se soient intéressés à mes recherches. D'habitude, je n'ai droit qu'aux Hanouna ou aux youtubeurs avides.
de cible pour leurs moqueries enfantines. En tout cas, je suis sûr qu'ils ont juste le seum parce qu'ils finissent tous les ans sur la liste des mauvais garçons. Bon, eh bien, je vous laisse. Ah, vous avez fait tomber quelque chose ?